un rêve dans la tente, c'est tout jeter le stuff de la tente par terre, démonter la tente et l'amener directement dans la base. Franchement, comme ça après on peut tout transvaser plus rapidement, tu vois. Parce que toutes nos tentes à la base elles sont pleines. T'inquiète, j'ai un tournevis. Nice. Je vais te chercher dans la tente à Nico. Ah oui, bah c'est vrai qu'il y en a un lui. En fait, il l'avait ramené de la base. La première base qu'on s'est fait. J'ai pris une clé de mécanicien aussi, je verrai pas la voiture, je vais la ramener à côté du truc où il y a la tente. Non, mais ça, on fera après. Ouais. La voiture, on fera après. Ça se trouve, elle est morte la voiture. Mais non, elle est pas morte. T'inquiète. Là, je la redémarre dans 20 secondes, elle est OP. Ah, t'as pris une bougie? J'ai été prendre une bougie dans la tente et tout, t'inquiète. Ah, c'est bon, t'as trouvé, ouais. Ah ouais. Nice. J'ai bien fait de les acheter ces deux bougies en plus. Je me suis dit tiens on sait jamais, je vais prendre deux bougies. Ah je te jure t'as bien fait mec. En fait c'est parce que je voulais absolument éclater tous les billets que j'avais sur moi. T'en as à combien de tours à ton avis? Je suppose que t'as pas fait plus attention. Oh que là ça, mais... ça fait bientôt 10 minutes que je suis dessus. Ok. Donc encore 5 je pense. Eh vous connaissez le SVT? SVT c'est un SKS qui tire des balles de Mosin en gros. Il y a quelqu'un qui me cover là? Non. Ouais, le collègue, bah qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le cover pas? Je suis en train de looter un peu. Ah d'accord. Ok. Pourquoi pas? Eh mon gars, pourquoi je peux pas changer la bougie? Je comprends pas. Je vais arriver. C'est pas ça, normalement je devrais pouvoir changer une bougie, mais j'ai une clé à molette. On doit y avoir une manip à faire. C'est quoi ce délire? Tu as déverrouillé la voiture? Wesh! Ouais, bien sûr. Mais je sais pas ce qu'il fait, il est en train de. De pas me couvrir, hein. Putain, le jeu il me pète à des trucs, frère! Quoi? T'as dit quoi? Je sais pas, ils sont où les trucs? C'est tombé. Je suis pas en jeu. Ah, c'est. Ah ouais. Ouais, on va dire que. Ah, ok, c'est bon. Ça va pareil. J'arrive, les man. Bah ouais, je voudrais bien avoir une cover. Ouais. Parce que quand je vois la cover que j'ai là, je me dis qu'en fait j'aurais dû le faire tout seul. Bah t'as pas de cover là. Ça va, je vous charrie ça. Bah t'es solo. Mais après je suis à côté hein. Et je sais. T'es à 100 mètres contre toi, mon rapin. Bah attends, je sais, je m'entends pas. C'est John qui déconne. Le mec, il a pas sa voiture. Là, qui se transforme à les couilles. On verra après. Ça pourra grave vous aider. Hein. Ça va aller beaucoup plus vite pour transporter. On est juste à côté. On a pas besoin de la voiture pour faire 100 mètres. Ouais, t'es sérieux, toi? Non, mais c'est pas pour faire 100 mètres, mais si t'as. Voilà les trucs on à cherche dans la voiture, mec. Bah ouais. Hein? En un seul voyage, tu vas pouvoir comprendre. Mais en fait, j'étais parti chercher un. J'avais pas pensé à ça. Deux, trois petits trucs. Bah, deux fois, j'étais venu voir s'il y avait plein de tournevis. Je sais pas si c'est pas une roue qui manque en fait. Parce qu'en marche arrière, ça avance, hein, pas de problème. Hein. Mais t'es en marche avant dans une montée, gros, c'est normal. Ouais, c'est à cause de la neige que ça avance pas. Ouais. C'est bon, ça a passé là. Au pire, passe par la route. De toute façon, si tu ramènes la voiture dans le village. C'est mort, hein, quand même. Ketnas, j'arrive en balle. Mon copain, c'est fini. C'est. Oh bah là, t'inquiète, mon copain, c'est rentabilisé, mon copain. Y'a des Retso ou quoi?
Non, il n'y a pas de resto, mais tout le matos qu'il y a, gros, la putain de sa mère, que jamais de ma vie on pourra tout transvaser comme ça. Attends, j'arrive avec la voiture, 400 places, hein. Ça nous fait déjà comme si c'était 3-4 gros sacs, la voiture. C'est top. Gros, je vais commencer à mettre des armes dans mon sac parce que là, il y en a trop, gros. Des RPK, des AK-15, Pff, ça y est, je suis plein. D'ailleurs, je vais te laisser les scies, hop. Wow. Oh, je vais prendre les tiens, je vais prendre 212. 312. Il y a une... Ah, ok, d'accord. J'allais bugger. Je vais y aller. M14. Y'a pas M14 là? Un tac, c'est quoi ça? Je la garde devant la porte, la bagnole. Ouais, tranquille, tranquille. Je suis en train de vider le maximum de choses que je peux en fait. Je l'ai couillé. Ouais, ouais, ouais. J'ai un tournevis. Je vais poser les armes dans la voiture. On les dépouille comme des enfants avec. Non, bah là, aucune pitié, gros. Non, aucune. Wow, pourquoi faire de la pitié? Ça sert à quoi? Ça sert à rien, mon copain. Pas enfin, faire des deux. Que je viens de ramasser, c'est trop stylé. Ah oui, c'est quoi cette arme que j'ai là? Je sais même pas c'est quoi, frère. J'ai une arme, j'ai un snipe, je sais pas c'est quoi. J'ai l'air de faire très très mal. Mon copain, mon copain. Oui, il a bon l'air de faire très très mal, mon copain. Ah, toutes les balles de 308 qu'il y a, gros. Sur les yeux du petit qui pleure. Sur les yeux du petit qui louche. Ils vont se retrouver avec Canal. Avec ils vont se retrouver avec Canal. Ah mais pourquoi de... Ah, oh, tu sais quoi, regarde, je vais faire un festin dès tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah je me mets bien. Je me mets un petit festin. Pourquoi je suis mouillé? C'est du foutre dans de l'eau. Bah j'ai plus rien, ça y est là, c'est fini. Le mur de rack là, je peux le démonter? Celui qui est vide, oui. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il reste des trucs dedans. Il faut enlever tous les guns dessus, bah faut enlever les guns qu'il y a dessus, quoi. Ah, mais c'est en bas, il reste des trucs dedans. Attends, je les enlève. Voilà. Mais gros, vu qu'il y a l'autre qui est en train de manger, gros. Au calme. Ah, mais j'ai pas accès encore à ces. Ah, ouais, il y a encore des trucs. Quel drague qui saute. On devrait faire des putes. Le gun rack il est où là? Je l'ai démonté. En haut, il est en haut ça là. Ah oui, ok. C'est bon, je vais dans les poches. De toute façon, on leur pète tout là. Ah oui, c'est le but. Hein. Réfléchissez pas, les gars, réfléchissez pas. Ramasse tout. C'est là, je fais la prône direct sur ma vie. La M4 blanche, là, que c'est qui la prend? Je sais pas. Je la prends. Si tu veux, vas-y. Ouais, je l'ai passé au mon fusil, gros. Allez, il est là. Denzaf. Par contre, ce serait bien les gars de démonter tout là, enfin tout virer quoi. Vas-y, je jette tout, hop, je vais plus de que vous parce que là vous mettez 10 ans. Vire ce qu'il y a sur le truc. Là, je veux pas rester à côté de ça. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as bien raison.
voyons quand même. Par contre, j'arrive pas à démonter le gunrack. Parce qu'il y a encore des trucs dedans. Non, right side. C'est où le left side? Tu me gênes, gros. C'est bon, attends, j'enlève le truc, t'inquiète. Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. Hop, fais vite. Est-ce une M4 ou pas? Non, c'est bon, tout en vrai, tu peux le démonter. Je démonte tout de suite et je ramène tout à la base tout de suite, tu vois. Ouais, bah oui. Ah, wesh. C'est quoi MCR Carabine, je sais pas si tu... Ça me ronfle que ce soit pas écrit en vrai. Ça me casse les couilles. Je vais le mettre en anglais, je le mords. Il faut le mettre en anglais. Là, il est en train de m'énerver là quand même, l'enfant. Là. Sur le petit. Hein. Sur les yeux du petit qui pleure. Hein. Sur le petit qui louche. C'est, j'ai plus de place. Hop, on jette tout. Oh putain, il fait mal. Ça. Ils vont être en deuil. Je te jure. Ça y est, c'est le deuil. Ils ont de quoi être dégâts. Vas-y, pour ce qui reste au sol, j'en bats les couilles. On viendra le chercher après. P52, je sais pas si c'est bien ça, P52. Tu vas pas me faire ces courses, s'il te plaît, quoi. Ah bah tiens, une gourde. Je t'en galère de... Il y en a plein dans ma base. Vas-y, je ramène la voiture à la base. Un jour, ah, démarre, salope.